Salut à tous, salut Polo. Salut Jerry. Alors aujourd'hui, je t'emmène bosser à Savigny-sur-Braye. On retourne dans le Loir-et-Cher chez SNV pour notre 6e épisode et je vous emmène découvrir le job d'Isabelle. Alors Isabelle, elle est animatrice de groupe Produits élaborés. Moi, je ne sais pas du tout à quoi m'attendre. Peut-être que vous, ça vous parle. N'hésitez pas à le noter en commentaire. Allez, c'est parti! Salut Isabelle! Salut Jerry! Tu vas bien? Check! Ouais, merci de m'accueillir dans ton atelier, c'est ça? Ouais. Bienvenue à Volabray! Merci beaucoup! Il paraît que tu es animatrice de groupe Produits élaborés. Oui, alors c'est moi, ça. Je ne connais pas du tout ce job. Explique-moi, qu'est-ce que vous faites ici? Déjà, comme produits élaborés, c'est quoi les produits élaborés? Alors, les produits élaborés, c'est notamment, il y a les farcis, il y a des paupiettes, des saucisses et des brochettes rades. Waouh! Et alors, toi, ton job, explique-moi en quoi il consiste? Alors, moi, il consiste à honorer les commandes. Quoi. Ok. Donc, tu manages en fait tout l'atelier? Oui. Mais oui. Pas toute seule, non? Non, mais il y a des coéquipiers avec moi. Ah oui. Okay. Mais c'est toi la grande chef de l'atelier? Oui, voilà. Qu'est-ce que tu fais tous les jours, dis-moi? Tous les jours, quand j'arrive, déjà. On place les personnes, d'accord. On voit si toutes les lignes sont équipées du nombre de personnes, parce que chaque ligne a un nombre de personnes. Donc tu gères le personnel? Voilà, on gère tout le personnel le matin. Okay. Une fois que tout le personnel est mis en place, ça roule. D'accord. Pour et après, journée. Je fais mon travail pour les commandes. D'accord. Donc j'intègre mes commandes au fur et à mesure, je remplis mes tableaux pour voir que toutes mes commandes soient bien faites. Ok. Et alors là, par exemple, une journée comme aujourd'hui, on va faire combien de brochettes? Alors là, aujourd'hui, on va faire à peu près 2 tonnes de brochettes. 2 tonnes ? 2 tonnes sur ces deux lignes-là, simplement. Et ça représente combien de pics ? Ça fait à peu près 18 000 pics, quoi. 18 000 brochettes. Il faut une famille nombreuse. Il y a combien de personnes dans ton atelier qui bossent ici ? Alors là, on a environ 80. Mais 80. On n'est pas au complet. C'est-à-dire quand vous êtes au complet ? 150. C'est très saisonnier, j'imagine ? Oui, c'est très saisonnier, ouais, ouais. On a deux saisons, en fait, hiver et été. L'hiver, c'est tout ce qui est produit festif, donc volailles farcies, donc les grosses volailles, les chapons, les pintades, les canettes. Ah, trop bon ! Voilà. Et toi, ça fait combien de temps que tu fais ce job ? Je suis dans l'entreprise depuis 21 ans. Ah, oh, bravo ! 21 ans ! 21 ans, ouais. Mais ça fait déjà une quinzaine d'années que je suis en poste de responsabilité. Quoi. C'est-à-dire, tu as commencé à quel poste il y a J'ai 21 commencé ans à opérateur. Là, sur une Donc, j'étais en train de faire ce que les filles font. D'accord. Donc, tu voilà. faisais les brochettes. Je faisais les brochettes, je faisais de la traçabilité, j'ai fait de tout. Je suis passée responsable de ligne et là, maintenant, je suis passée animateur de groupe. Super évolution, quoi. Super évolution. Et qu'est-ce qui fait que ça fait 21 ans que tu bosses chez SNV? J'aime bien ce que je fais, j'aime bien être entourée des personnes, la convivialité. Donc, j'aime bien l'esprit famille aussi. C'est vraiment un bon atelier, quoi. Isabelle, pouce bleu. N'oubliez pas de liker la vidéo. Allez, on va aller monter la brochette. C'est quoi pour toi un bon manager? Alors dis-moi. C'est avant tout être bien organisé, être à l'écoute des personnes, bien s'entraider, quelqu'un qui est sur le terrain avec les opérateurs et qu'on est tous ensemble. Solidaire. Voilà. Okay. Est-ce qu'elle est bien ma brochette? Oui. Oui, oui. Oh, vous êtes gentil, c'est bien. Merci. Bon, et vous recrutez ici alors? Oui, oui, bah oui, pour l'été, on commence à recruter déjà. Moi, tu m'embauches ou pas? Oui, oh, bah là, t'es opérationnel pour la tomate. Moi, je vais être animateur. Hein. Ah oui, animateur, oh, y a peut-être encore du travail alors. Moi, plutôt lapin. Et vous? Pays de la Loire, pour les bonnes rillettes du Mans. Peu importe, avec ou sans diplôme, vive l'évolution interne. Bien manager pour bien manger chez vous. Bon Isabelle, il est où le barbecue pour la pause? Il est chez nous. Ah bon, en tout cas, merci pour les brochettes et pour la découverte de ton job surtout. Merci aussi à toi, Jerry, et merci pour ton coup de main. Je t'en prie, j'espère que j'ai été efficace. Bon, et si vous aussi, vous avez envie de venir bosser ici chez Volabray, dans l'équipe d'Isabelle, n'hésitez pas, postulez, ils recrutent. Et quant à moi, je vous donne rendez-vous à un prochain épisode. Et n'oubliez pas, Isabelle, likez la vidéo et abonnez-vous.